Bonjour à tous les gourmands, aujourd'hui on se retrouve pour la recette des spritz. Donc comme à chacune de mes vidéos au début, on retrouve la liste des ingrédients ainsi que le matériel qu'il vous faudra pour réaliser cette recette. Donc la première étape, vous mettez le beurre mou dans la cuve de votre batteur et vous mélangez le beurre jusqu'à ce que celui-ci devienne pommade. Si jamais le beurre colle à votre fouet, vous pouvez utiliser une maryse pour le décoller légèrement. Ensuite, on ajoute les différents ingrédients, donc le sucre glace, la pincée de fleur de sel, la vanille liquide, donc vous pouvez mettre la quantité que vous désirez, moi j'ai mis environ 2 cuillères à café, et ensuite les 30 g de blanc d'œuf. Maintenant, vous mélangez ensemble tous les ingrédients jusqu'à ce que le mélange devienne donc homogène. Une fois la préparation homogène, vous ajoutez votre farine et ensuite vous mélangez de nouveau jusqu'à complète incorporation de la farine par la pâte. Une fois votre pâte bien mélangée, vous pouvez la mettre dans une poche à douille à l'aide d'une maryse, puis vous pochez vos biscuits. Une fois que vous avez poché tous vos biscuits sur votre plaque, vous pouvez le faire cuire 18 minutes à 180 degrés. Une fois que les gâteaux ont légèrement refroidi à la sortie du four, vous les trempez dans du chocolat, donc chocolat noir ou chocolat au lait, préalablement fondu. Puis vous posez vos gâteaux sur une feuille de papier sulfurisé afin que le chocolat se fige. La recette des spritz est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir des vidéos avec ma voix ou avec un texte écrit. Bonne journée à tous!